Alors, on passe à la présentation de professeur Mina Oumil, qui va nous parler du syndrome polyuropolydipsique et des tubulopathies chez l'enfant. Merci, chers amis, pour m'avoir confié ces deux communications qui ne sont pas simples. On va essayer de faire vite. Alors, je passe par le cas clinique numéro 1. Yanis, qui est un enfant que j'ai vu à l'âge de 16 mois, qui a été adressé, c'est un enfant de Tanger, qui a été adressé par un ami, collègue que j'adore, tu sais, de Tanger pour un syndrome polyuropolydipsique. En fait, cet enfant a une mère qui boit 20 litres par jour. Imaginez 20 litres par jour. Et ça fait des années qu'elle prend ça, que ça ne la dérange pas. Elle passe la nuit et la journée à boire. Ses antécédents personnels, il n'y a rien. Rien dans son histoire clinique. Par contre, son syndrome polyuropolydipsique, il dure depuis l'âge de 6 mois. Il boit 2 litres et demi. À 6 mois, 2 litres et demi, moi en tant qu'adulte, 2 litres et demi, c'est énorme. Et il a une polyurie importante. À l'examen, quand je l'ai vu, c'est un enfant qui était bien, eutrophique, mais il avait la bouteille d'eau en permanence dans sa bouche. On ne pouvait pas lui enlever la bouteille. Il buvait, il n'arrivait pas à communiquer toujours la bouteille à la bouche. Et donc, il était il était polydipsique. Et bien entendu, la mère a confirmé la polyurie. Alors, le premier bilan à faire, alors je suppose que tout le monde, on va faire un bilan, un ionogramme. Dans ce ionogramme, je vais vous dire quelque chose, vous me dites oui, vous me dites non. L'élément le plus important dans ce ionogramme, c'est la natrémie. Oui, timide. Oui, c'est la natrémie. En un syndrome polyuropolydipsique, sur le ionogramme, fais attention à la natrémie, c'est très important. Deux, est-ce que c'est important de voir la kaliémie? Est-ce... Tout le monde dort. La fonction rénale, c'est essentiel. On a l'insuffisance rénale terminale qui s'annonce par un syndrome polyuropolydipsique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans l'ionogramme sanguin? Un enfant qui boit beaucoup, les réserves alcalines, excellent. Ça, c'est un lien avec la communication qui va suivre. Donc cet enfant a fait un ionogramme qui était strictement normal, sa natrémie, sa kaliémie, ses réserves alcalines étaient normales. Et le diagnostic était évident devant l'histoire de sa mère, probablement c'est un diabète insipide d'origine centrale. Et donc j'ai fait un dosage de vasopressine sanguine et qui était totalement effondré. Le laboratoire m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que Madame Lille, est-ce que vous êtes sûre de ce... Je lui ai dit oui. Alors, il avait presque indétectable la vasopressine dans le sang. Et dans ces histoires de syndrome polyuropolydipsique, il faut faire systématiquement une échographie rénale à la recherche de quoi? De néphrocalcinose. Un enfant qui boit beaucoup, pisse beaucoup, ionogramme sanguin, échographie. On va faire un screening avec ça. Le diagnostic pour lui, c'est un diabète insipide d'origine centrale. Le test de restriction hydrique lui a été fait, mais on l'a arrêté au bout de 2 heures. Il avait perdu 200 grammes et son osmolarité sanguine elle était correcte et son osmolarité urinaire était effondrée. Son IRM cérébral a montré la disparition. Je fais vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et comme ils m'ont dit que j'ai que 10 minutes, donc je fais vite. Alors, l'IRM cérébral a montré la disparition du signal de la post-hypophyse. Or, la vasopressine, c'est une hormone de la post-hypophyse. Donc, le diagnostic retenu chez cet enfant est un diabète insipide d'origine centrale, quoique la nouvelle nomenclature, ça fait 10 ans, parle plus de diabète insipide d'origine centrale, mais on parle d'un déficit en vasopressine. Donc, bien entendu, j'ai démarré le minérin. Et sous minérin, il est passé de 3 litres par jour à 750 millilitres par jour. Cet enfant a pu jouer, a pu avoir des interactions sociales. On parlait ce matin d'interactions sociales. Cet enfant, on n'en avait pas du tout. Et donc, la mère a démarré le même traitement que son fils. Et ça a donné de bons résultats pour elle. Mais elle n'a pas fait l'IRM. Cas clinique numéro 2. Il s'agit de Jed. C'est un nourrisson que j'ai reçu à l'âge de 7 mois. Adressée par un collègue endocrinologue qui l'avait vue pour suspicion de diabète. Et quand elle l'a vue, elle l'a examinée, elle a fait le bilan, elle a compris que ce n'est pas un diabète, mais que c'est un syndrome polyuropolydipsique qu'elle m'a envoyé pour un bilan. Alors, pas d'antécédent, mais c'est un enfant qui a un syndrome polyuropolydipsique depuis l'âge de 2 semaines. La maman, elle a constaté qu'il est tout le temps avide de prendre le biberon. Et quand je l'ai vue, il buvait 1,8 litre par jour pour un bébé âgé de 7 mois. L'examen était strictement normal.
c'est un nourrisson eutrophique. Et donc, pour moi, c'était une tubulopathie. Moi, j'étais la néphrologue. Donc, pour moi, c'est une tubulopathie. Donc, je cherche la tubulopathie. Alors, son osmolarité sanguine était correcte, mais son osmolarité urinaire était très basse, à moins de 300. Et son ionogramme, sa fonction rénale et, les réserves alcalines étaient strictement normales, de même que l'échographie. Donc, ce n'est pas une tubulopathie, donc c'est probablement un diabète insipide. Centrale, néphrogénique, il fallait que je fasse un test au mini. J'ai fait le test au minérin chez lui. Je n'ai pas fait le test de restriction. Et il n'y avait pas du tout d'amélioration de l'osmolarité urinaire sous test. Et donc, j'ai conclu un diabète insipide néphrogénique pour lequel j'avais démarré un traitement qui est bien évolué. L'histoire, si diabète, ça veut dire quoi? Ça signifie en grec passer à travers quelque chose. La première description du syndrome polyuropolydipsique a été faite par Démétrius d'Apanée, le 1er siècle avant Jésus-Christ, ensuite arrêté de Cappadoce, mais c'était au 1er siècle après Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu plusieurs auteurs qui ont défini ce diabète insipide. Insipide, ça veut dire qu'il n'a pas de goût. Ses urines n'ont pas de goût, parce que c'est beaucoup d'eau et peu, il n'a pas de goût d'urine. C'est pour ça insipide. Bessel, mefih madak, comme on dit en arabe. Alors, la nouvelle nomenclature actuelle, c'est de parler de déficit en ADH pour le diabète insipide central et de parler de la résistance à la vasopressine pour diabète insipide néphrogénique. Alors, la définition, c'est ce que je voudrais que vous reteniez. La diurèse, elle est importante, elle doit être supérieure à 50 ml par kilo par jour ou 2 litres par mètre carré par jour. Mais chez le nouveau-né, il faut qu'elle soit supérieure à 150 ml par kilo et par jour. Chez l'enfant de la naissance à 2 ans, il doit dépasser 110 ml par kilo et par jour. Et après, chez l'enfant et l'adulte, plus de 50 ml par kilo et par jour. Et il faut distinguer la polydipsie, il faut reconnaître la polydipsie qui est une soif excessive. Le danger de ce syndrome polyuropolydipsique, c'est le risque d'hypernatrémie de DH1. Alors, le bilan devant un syndrome polyuropolydipsique, c'est l'osmolarité sanguine et urinaire, ionogramme sanguin, une échographie, une IRM si on suspecte le diabète insipide d'origine centrale. La confirmation biologique, je passe sur ce schéma et sur le test de restriction hydrique. Je parle de l'étiologie, le diabète insipide central ou néphrogénique. Le diabète insipide d'origine centrale, il est dû à un déficit en vasopressine sécrété par la postifopophyse. Et ce déficit, il est soit secondaire à une pathologie au niveau de la postipophyse et l'IRM va la retrouver, ou idiopathique. Et moi, j'ai eu des enfants pour diabète insipide suivi central, pour lequel on fait une IRM tous les ans. Il faut la faire tous les ans pendant 5 ans pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui va se développer. Le diabète insipide d'origine centrale, je voulais vous parler des nouveautés dans ce domaine. Alors, on sait que c'est un déficit en vasopressine. Et il y a aussi, la post-hypophyse, elle sécrète aussi l'ocytocine. Alors, il y a eu des études qui ont montré que ces enfants qui ont des déficits en vasopressine ont aussi des déficits en ocytocine. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'ils avaient une altération de la reconnaissance des émotions par rapport à des témoins sains et par rapport à des patients ayant des déficits antihypophysaires isolés. Et donc, chez enfants, ils ont fait des études. Ils ont testé le MDMA, c'est l'Ectasy, 100 mg de MDMA. Elle a permis, quand on le donne chez l'enfant, chez les patients qui ont été inclus dans cette étude, elle donne une augmentation de 80% de concentration d'ocytocine chez les sujets sains. Et elle ne donne pas d'élévation du tout chez les personnes qui ont une atteinte de la neuropophyse et qui ont un diabète insipide central. Donc, chez les enfants qui ont un diabète insipide d'origine centrale, il faut chercher le déficit en ocytocine et il faut l'associer. Il y a en ce moment des études aux USA et en Suisse pour évaluer l'effet d'un traitement substitutif en ocytocine chez les patients ayant un déficit en ADH. Et l'ocytocine, on l'utilise dans les accouchements. Les femmes, pour déclencher l'accouchement, on utilise le syntocinant, c'est de l'ocytocine. Le diabète insipide néphrogénique, vous allez à suivre, je vais vite, mais je vais y arriver. Alors, le diabète insipide néphrogénique, c'est une pathologie héréditaire, comme le diabète insipide d'origine centrale, deux formes, celle liée à l'X, avec mutation de l'AVPR2, ou celle qui est liée à des mutations sur de l'aquaporine 2, à transmission autosomique dominante et récessive. Il s'annonce dès le premier jour de la vie par une mauvaise prise pondérale, l'anorexie, mais il faut savoir que les enfants sous allaitement maternel exclusif peuvent ne pas présenter ces symptômes parce que le lait maternel, il est hypoosmolaire.
Et il y a ici la place du dosage de la copeptine. Copeptine, c'est un analogue, c'est le précurseur de la vasopressine. Au Maroc, on ne l'a pas, mais on peut le faire, ça coûte 500 dirhams. Et quand il y a un taux de copeptine abaissé chez ces enfants, on sait qu'ils ont un diabète. Quand le copeptine est élevé, ça veut dire qu'ils ont l'hormone de la vasopressine, mais qu'ils sont insensibles à la vasopressine. Et bien sûr, pour parler du diabète insipide néphrogénique, il faut éliminer une tubulopathie et une hypoplasie rénale. Son traitement, c'est bon, les anti-inflammatoires, les diurétiques thiazidiques. Et je finirai par la potomanie, la polydipsie primaire. La potomanie, c'est des enfants qui boivent beaucoup, qui pissent beaucoup, mais qui n'ont ni un diabète insipide central, ni néphrogénique, ni tubulopathie. Ils sont liés, c'est des enfants qui, moi j'aurais aimé qu'on en parle dans les habitudes alimentaires, qu'on parle des habitudes, les boissons, la boisson, comment ça se passe dans la famille. Alors, je ne sais pas si vous avez, moi je vis ça avec les mamans. L'enfant est sous allaitement maternel et, elle me demande, la maman, est-ce que je lui donne de l'eau ? Je dis, mais donnez-lui le sang sain. Donnez-lui le sein. Le sein, il est suffisant. Il n'y a pas besoin de donner d'eau supplémentaire. Alors, beaucoup de mamans donnent de l'eau en plus et donnent l'habitude à l'enfant de boire beaucoup d'eau. C'est bien de donner l'eau, mais il faudra en donner en quantité logique parce que l'estomac de l'enfant, comme ce matin on nous a parlé, l'estomac de l'enfant est tout petit. Il ne faut pas qu'on donne beaucoup de liquide dans cet estomac. Alors, la polydipsie primaire ou potomanie, c'est des enfants qui sont tout à fait normaux, mais qui ont pris de mauvaises habitudes, surtout nocturnes, dès le jeune âge. Le syndrome polyuropolydipsique, il est rare chez l'enfant. C'est pas une pathologie que vous allez confronter tous les jours. Mais le jour où vous le voyez éliminé en premier, bien sûr, tout le monde sait le faire, un diabète sucré. Mais à côté, il faut voir si ce syndrome polyuropolydipsique a un retentissement sur la courbe de croissance de l'enfant. Il faut absolument rechercher deux causes essentielles. Le déficit en vasopressine, le diabète insipide central, et la résistance à la vasopressine, qui est le diabète insipide néphrogénique. Et je vous remercie. J'ai deux minutes que je vais rajouter sur l'autre communication.